Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Toi-même, tu sais, tu es chez Heroes et le lundi, c'est information sur les bannières. Toi-même, tu. Hein? On est au courant, on sait tout. Ben oui, on s'est perdu aussi. Donc, pour ne pas perdre de temps plus longtemps, on va faire simple. Hein. Je vais pas vous dire quelles sont les bannières sur la SEA puis la globale. Ben, c'est la même. Donc, ça va s'afficher à votre écran. Mardi, nous recevrons donc sur la SEA notre ami Sean Goodclose. Après presque un mois et demi d'attente d'une nouvelle bannière, putain c'était long, il arrive enfin. Nous aurons en fait des serveurs qui vont fermer pendant une période comme d'habitude, donc nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir jouer pendant la nuit, pour, n'est-ce pas, pour les gros farmers et compagnie qui s'amusent à je ne sais chercher quoi, mais qui essaient quand même. Que dire d'autre? Alors pour la SEA, je vais vous donner le descriptif de notre ami. Ils définissent notre ami comme étant, n'est-ce pas, il utilise sa chaîne, n'est-ce pas, pour protéger ses alliés et la transformer en dommage. Super power support DPS. Yes! Le mec a la même répartition de stats à peu près que Shiryu. Mais c'est un super support DPS. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est un tank super support DPS healer. On va appeler ça comme ça. Quoi d'autre ajouter? Nous aurons le RC de notre ami Aphrodite qui va arriver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On l'attendait depuis un petit moment. Mais il est finalement là. C'est bon à prendre. Quoi d'autre à dire? Des events en relation avec l'anniversaire. Le lobby qui va donc se changer pour se transformer en mode anniversaire sur la SEA, bien entendu. Anniversaire skin, n'est-ce pas, Shion Absolute Training. Donc, je sais pas si c'est l'ancienne ou si c'est une nouvelle. Get from Anniversary Events. Donc, nous pourrons obtenir une skin de Shion à partir des events. Ça, c'est plutôt pas mal. Jetlight et Purple Nether sont de retour dans le shop après une disparition, n'est-ce pas, quelque peu ennuyante pour nos amis Cash Player et Whale, bien entendu. Le newbie guide aura une optimisation, donc ils vont sûrement retravailler un peu tout ça pour permettre aux gens qui veulent se lancer sur la SEA de mieux comprendre les choses. Logging background, donc ils vont changer l'écran de fond du début. L'autre ami Pandora va donc sortir de l'ombre avec son secret shop et d'autres optimisations. Voilà, c'est à peu près tout pour la SEA, ça fait quand même pas mal de choses. Ça fait beaucoup de choses comparé aux autres updates. Là, il y en avait 10 des trucs. Donc voilà, concernant la globale, écoutez, vous aurez en fait Sean Goodclose à partir de mercredi. Demain, il y aura sûrement le descriptif qui sera annoncé sur le Facebook officiel de votre version, donc je vous invite à y faire un tour si vous voulez savoir ce qu'il va y avoir. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Petite vidéo pour mettre au point. Ah oui, si jamais vous voulez savoir comment fonctionne Sean Goodclose, je vous invite... n'est-ce pas, parce que j'ai vu quelques petites choses, quelques petits retours, n'est-ce pas, de nos amis globuleux. Je vous invite à aller voir Twitter et compagnie, parce que franchement, il y a des numéros, on se demande d'où ils sortent. D'ailleurs, on se demande s'ils jouent au jeu, on se demande s'ils comprennent le jeu. Mais j'ai vu des énormités monstrueuses. Je ne suis pas un pro-gamer sur ce jeu, mais j'ai un tant soit peu, tu vois, de cervelle pour comprendre comment fonctionne un personnage. Et je sais surtout où mettre mes skill tomes pour ce perso. Donc, je vais vous prévenir de faire attention à ce que vous allez lire. On est d'accord? Et je vais vous demander de réfléchir, limite passer le jeu en anglais pour mieux comprendre les skills, ne pas les mettre en français. Mais faites attention que vous mettez vos skill tomes. Voilà, c'est une petite c'est une petite prévention de la part de Heroes, parce que je reste un tant soit peu humain, même en étant un salopard, mais il y a vraiment de la merde qui circule sur le net, mais vraiment de la merde. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas s'ils jouent en fait, je ne sais pas s'ils réfléchissent, mais c'est triste. Alors n'allez pas suivre leurs conseils juste parce qu'ils ont des followers. Faites attention à vous. Voilà, ce sera tout pour moi. Passez une excellente journée. Moi, je vous dis à demain pour un petit stream, toi-même, tu sais où nous pouvons profiter de l'anniversaire sur la SEA et où nous commencerons à pool de manière intelligente, n'est-ce pas? Nous ferons des pools de 80 par jour, donc si vous voulez voir la session de pool en entière, bah écoute, elle sera postée sûrement en fin de semaine quand j'aurai terminé de pool sur Sean GC, où je me ferai des 80 par jour, parce que sur la SEA, 80 par jour, c'est la vie! Vous avez plein de cadeaux! Allez, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente journée, et je vous dis à demain! Allez, ciao!